comme depuis quelques temps avec Christa que nous vivons, qui est tout mes adieux. Et nous saluons Jean-Daniel Amboise, Joanne Jasmine Floristil Rameau Hervé, Jean-Joseph et Marguelin et Darot, et puis Johnson Léandre. Merci, merci Edson Louis. Merci, c'est ramassé qui rentre la caille. Un plaisir pour nous servir. Et oui, oui, Santiago, République Dominicaine. Franchette Pierre qui Santiago et deuxième ville, République Dominicaine. D'après l'on j'ai parlé de République Dominicaine jeudi avec tweet ça. Hein? Que président Luis Abinader sorti pour confirmer que deux Dominicains yo qui étaient séquestrés yo libérés, mais avec un petit détail qu'on va le comprendre. Oui, Gerlin, nous besoin ça avec un détail qu'on va capable comprendre. Et merci à Patrick Alexis qui fait nous ouais tu remarques ça. Oui Patrick, qui dit gardez bien. Et Patrick fait nous songer en janvier. En janvier 2021, président Luis Abinader a fait un tweet pour te parler de rencontre avec président Jovenel Moïse. Laisse ça, l'été dit président Jovenel Moïse. Mais dans le tweet que le fait et matin, ou après son l'autre ton que l'employé, c'est comme quoi, selon un pile monde cap considéré, c'est un coup, et il n'est pas reconnaître, il est d'accord avec tout haïtien cap dit, mandat Jovenel fini. Alors ça a son lecture, et tweet ça, gardez comparaison à nous-mêmes, tweet ça a été fait le 10 janvier, côté président Jovenel, Moïse a rencontré président Luis Abinader. Et Abinader a écrit, Abinader, en el día de hoy, sos tout on a réunion qu'on est le président de Haïti, ou est précisé, est le président de Haïti, Moïse Jovenel, para revisar la agenda bilatérale. Agenda bilatéral, ça qui gagne la dan sécuridad, sécurité, salud, santé, commerce, migration, énergie, oui, migration, énergie, y la évolution del proceso politico en Haïti. Publicaremos una declaración de los acuerdos en los Proximos Dias n'a publié une déclaration sous accord que nous joignons dans le prochain jour. Laisse ça ou comment terme na et elle en elle dit à dire oh, se trouver une réunion qu'on est le président de Haïti Moïse Jovenel. Matin, dans tweet pour le dit de Dominique et Olague, certainement nous pas connait si gain rançon qui baille parce que et ravi ça a été exigé de songer ça 2 millions de dollars américains et bon le journaliste Diario République Dominicaine qui était parlé de chantage elle hein, chantage que gouvernement haïtien t'a fait comme si pour bam youri ma bord dominicain yo bon évidemment et noté ouais ministre affaires étrangères là et Claude Joseph qui était voyant on copie journal Roy Banou qui te dit que ambassadeur Saint-Domingue n'a été démenti pas de gain chantage. Oui, en tout cas, comparaison. Dans le tweet que Abinader fait matin, il dit à cabo de conversar con Moïse Jovenel. Il va dire le président. Il dit à cabo de conversar con Moïse Jovenel qui me informa que los dos jóvenes secuestrados están bajo custodia policial haïtiana. Il dit, nous sommes parlé à président Jovenel Moïse qui confirme, qui informe que deux jeunes dominicains ont été séquestrés yo sous contrôle police haïtienne. Hemos dado instrucciones para que sean trasladados à la Embajada Dominicana en Puerto Príncipe. Donc, il passait des instructions pour transférer à l'ambassade dominicaine qui n'a pas de prince. Donc, mais ce n'est pas reste information qui intéresse, non, regardez, dans le tweet, 10 janvier, c'était
y una reunión, sostuvo una reunión con el presidente de Haití, y yo dije así, acabo de conversar con Moïse Jovenel. Donc c'est en détail qu'un pile observateur dit, il n'est pas innocent, et je suis en conversation tout avec Patrick Alexis qui fait me comprendre, en République dominicaine, il est sensible en pile pour fonction, pour titre, pour mettre au devant moun, devant non moun. Vous songez, c'était toujours docteur Joaquin Balaguer. Il a toujours mis titre, fonction, qualité devant non moun. Il a fait comme ça. C'est pas un bagage innocent. Mais l'information du jour, c'est que les deux Dominicains ainsi que traducteurs haïtiens, ils ont joué une libération très tôt matin. Certainement, nous pouvons avoir des détails sous dans quelles conditions est-ce que Ransom Bay et Ransom Bay et en tout cas. C'est comme ça situation ayé n'a gagné pour tourner sous détail si là Haïti qui entravé avec situation de kidnapping nan qui pas épargné pièce couche dans société a toutes catégories victimes tout monde mêlé et ça et merci Oulien ou Julien Guillaume ou ma KFM dit Oulien tout oui alors nous toute équipe là mobilisé Lovensky jeudi et qui n'a console là et puis nous gagnons pour assurer live là Junino Goda qui l'a de très tôt avec toute cette équipe là qui mobilisé pour servir nous commencer par remercier tant que Jean et Zami a te dit sous live là que chemise moins belle m'a commencé par remercier et James C collection c'est lui-même chaque samedi qui habillé des fois mandé le bon mon petit grâce pour mettre chemise madame moi acheter tout yo. Donc c'est ça que fait des fois nous même pas gain mais et hier il était tenu pour porter personnellement pour moi et l'envie fait chaque samedi comme ça pour me paraître en l'autre couleur devant nous merci James C collection qu'on a besoin pas oublier dans avenue Christophe impasse Lespinas numéro n'a communiqué pour tout à l'heure et puis nous pas oublier aussi nous pas de temps prendre rien matin avec auditeur puisque on est ramassé c'est un véritable marathon ça dure jusqu'à 13 heures donc pour tiwa assurer le reste là pour tiwa pizza qui n'a avenue panaméricaine Pétionville sur WhatsApp Pétionville vous quitter et hôtel Oasis sous main gauche ou là ou pas marcher en pile et puis ou à Eli là li servir bon petit pizza et li fait l'autre petit bagaille toujours des bagailles vraiment de fin goût mais qui a fait ou retrouver goût bouchou merci pour petit roi pizza et puis tous les amis aux amis de partout aux amis de toujours amis pour toujours qui toujours avènent et non nous sommes malheureux impétés pas millionnaires papa nous sommes malheureux qu'a fait effort élément de la classe moyenne. Voilà. Alors, tous les amis qui contribuent pour permettre l'émission ça arriver à la caillou, nous saluons, nous remercions tout. Et puis, station de la province, yo, yo plein en pile, puisque ces temps-ci, moi pas gain temps tellement à cause de l'actualité trop riche pour nous river sous yo mais connaît que on a que nous alors m'a pensé réactualiser liste là parce que toujours voulé radio m'a cité aux fréquences m'a bail là le monde sur route province pour le prendre fréquence là vrai et puis merci mes amis sur live là nous fait que me content avec belle petite parole merci alors oui donc faut moi assurer que fréquence n'a pas nous yo et fréquence n'a pas nous yo c'est des fréquences qui d'actualité et radio qui après entre yo toujours c'est radio d'actualité n'a pas excusé nous pas l'obliger refaire liste là actualiser là chaque temps et pour nous assurer chaque zone mais qui radio a besoin ramasser sous lit le samedi matin mais qu'on est nous en cœur moi qu'on est nous Jacques Mel nous en pile nous Miragua nous Grand Guave nous Cap Haïtien nous dans tout coin dans Henche nous Thomasique la caille moi que me saluer nous dans tout coin reculer pays sans parler de station
de la diaspora qui sont véritables messes du samedi matin que ramassé hier pour nous. D'abord pour qualité invité yo, et puis pour intervention yo qui permettent non seulement nous faire synthèse actualité à nous ramasser actualité avec invité yo, mais tout gain des perspectives en fin d'émission qui toujours dégagé pour nous dire mais qui travaille n'a fait pour nous voir si n'a changé Haïti nous gain journée jodi an. Nous voir Haïti nous gain là, c'est pour Haïti nous cal pièce côté, son Haïti tout haïtien honte, son haïtien. Et hier m'a rencontré un gros citoyen que me saluer là, m'a fait un petit parler avec Marie Carmel Paul Austin qui dit que elle fait une visite dans bon pas en visite mais elle t'a réglé fait passeport dans immigration, dans service immigration et puis l'a regardé full monde qui dans immigration. Et puis il dit que ça bon idée de situation générale pays a. On pays misé mon yo pas même gain cop passeport monter tête nek pour mon yo chaque jour passeport te mettre livré ça tout plein monde. Qui ça le témoigner? Li vle dou que chaque haïtien même si c'est pistache la vendre, même si c'est fresco la vendre, quel que soit métier que l'a fait qui pas même rapporter le gros l'argent, il serré un petit cop pour le faire passeport mettre serré là pour n'importe qui occasion en crivea pour le dégager le jeter son tristesse autorité ici pas même réfléchir sur bagaille ça d'ailleurs nous songer le président Jovenel Moïse l'était président monté premier ça l'était fait c'était multiplier centre de livraison passeport parce que lui-même il était dit que pas besoin compétence ici des jeunes qui étudier universitaires qui t'a cap servir pays yo et mais sou ka fait passeport pour aller Chili le puis bon l'état rentre comme n'a fait passeport ensuite n'a en même suspendant mère des monde nous pas prendre la rue pour protester na c'est quitter pays à son opération quitter pays donc ça a continué même si il a ralenti dans question Amérique du Sud, Brésil et Chili, parce que ces pays ça yo fermé, c'est pas nous même nous fermé vanna. Ces pays ça yo fermé vanna, et ben passeport continue à faire même si moun yo poko wè comment yo praler, qui lè yo praler, mais passeport yo là, y a veillé et y a veillé qui opportunité qui ka rivé pour yo aller. Mes amis, avec un tel projet Haïti pas pral pièce côté. Haïti pas pral pièce côté parce que l'arrivé aux États-Unis, Canada, en Europe, même en Afrique, ou ap gade des Haïtiens compétences qui nan pays sa yo, ou ap di bon c'est tout pays ici, ça pas intéressé nèg. Ou ap gade tout grand pays qui évolue journée aujourd'hui. Par exemple, Japon, l'el tap fait transfert de génération, c'était tout jeune yo li voyé étudier avec en pile gros promesse pour yo tourner vin travail. En pile gros engagement prend yo miwate en pile gros intérêt kay jeune japonais sa yo et c'est yo même qui tournait qui relancer l'économie japonaise parce que Japon dou c'est vrai n'a voyé petite nous prend formation dans toute grande université occidentale mais faut qu'yo tourne ici c'est pas pour y aller servir pays sa yo fait tout ça yo connaît yo ba avantage pour yo tourner ici n'a poussé de yo. Qui pays nous voulons gagner? Alors, ça, c'était une parenthèse pour montrer la nécessité qui gagne, plus toujours pour nous prendre pays nous en charge, parce que dirigeants, ça, on a passé depuis quelques temps là, c'est des dirigeants, c'est Porsche qui intéresse yo, avenir jeunesse là, pas important pour yo et c'est au contraire c'est fourré yo dans toute vie et causé c'est les dérives tant coup et fait si sourire pour yo ou bien mettez gang à terroriser monde c'est ça qui intéressait autorité par Borisite mais en rien encore. Et puis l'autre gros fait dans l'actualité a d'ailleurs ça qui passé dans prison quoi des bouquets ba connais moi même moi marche en pile moi tant des monde moi lis réseaux sociaux mais on dirait selon peuple là c'est un autre épisode de film ça que pouvoir a monté depuis quelques temps nous songer c'était mon premier épisode qui était joué 7 février 2021 pour détourner attention peuple là son mandat qui
fini, yo te créé un coup d'état et en passant n'a dit bon méchanceté qui pa gen non k'ap fait nan pays a. Et imagino côté soi-disant dit juge Ivy Kelda Brésil a fait coup d'état et puis li gon bonne l'autre monde qui a supporté projet coup d'état qui nan complot à tout et puis juge l'en dehors depuis combien de temps et puis reste moun sa yo a brûlé prison. Nous sérieux, est-ce que nèg sa qu'on garder tête yo nan glace? Est-ce que qu'on a posé tête yo question pour yo dire qui sa pays a qui sa le monde a dit de yo? C'est vos coup d'état mais là nous la gueule justice la gueule et puis reste des grands monde, des personnages, des citoyens respectables et respectés dans la société à qui ont nom, qui ont passé, qui ont trajectoire, qui pas un faux titre et agronome pour docteur pour agronome Buto, qui pas un faux titre docteur pour Marie-Antoinette Gauthier, c'est yo qui a brûlé prison journée jodi à son pays, mon cher. Comprendre pour qui ça n'a pas multiplié centre de livraison de passeport parce que nous voulons bah une dégoûtance pour rahir pays ça pour quitter mais non je veux dire c'est pas rahir pour rahir c'est prendre destin nous en main prendre engager nous par exemple dans marche demain dimanche là sorti pas bande pas paquet pour nous dire nous pas vle dirigeants ça yo nous et pas Jovenel Moïse seulement nous pas vle forme dirigeants ça yo faut nous pas gagne élection k'ap reproduit yo faut nous prend pays nan main pour nous gagne chaque moun chaque centime dans l'état compter pour nous font gestion rationnelle de nos maigres ressources et puis pour nous bay haïtien manger dans la dignité pour nous pas obliger à tant bol bleu nous n'a fait fête les USAID a si un petit bagage et 20 millions et puis n'a fait fête danser tout monde danser cérémonie seulement coûter plus cop que ça nous pral prend faut nous suspendre bagay ça parce que là n'a regarder si nous développer potentialité pas nous ressources nous gagner compétences nous gagner nous mettre en synergie pour nous travailler pas dit graisse cochon ou cuit cochon non pas dit que nous ca faire développement endogène mais nous ca commencer et puis le blanc vini n'a formel n'a bay domaine que nous souhaiter que on intervenu si on pas veut n'a dit au merci en réalité a tourné parce que comme la pas pour yo c'est contribuable pays yo voyer pour pays a donc ça veut dire au pape katona avec yo fait chèl ben sous nous parce que nous pas comprendre nous accepter toute bagaille nan main yo mais jou nous calé gène tant que on est quoi Paul Kagame qui a fait le Rwanda et ben n'a pour que nous gon l'autre pays il pas besoin pile on regarder dans les Antilles mes amis c'est pas de pays riche mais gon minimum de vie via décente avait dit gon environnement qui attrayant qui invite moun vini qui encourage au vivre là-dedans gon environnement sanitaire qui correct mais ici c'est fatra comme si nous c'est cochon nous il faut nous vivre dans fatra faut nous passer sous lit chaque jour et faut nous boucher nen pour nous traverser ça pas dit rien donc c'est dans situation ça dirigeant yo vle pour nous vivre nous même demain c'est pour nous sortir c'est contre toute bagaille ça yo pour nous dire non pas seulement pour mandat Jovenel qui finit parce que Jovenel de toute façon c'est du passé mais nous avons l'autre bonne l'autre question pour nous résoudre pour nous régler faut que nous sortir prend la rue parce que nous réaliser nous pas nous dit pas prendre marche gain gaz mais qui est la police bay gaz c'est l'elle ouais de trois monde mais l'elle ouais tout c'est tout pays a qui décider yo même tout n'a privé non le nous la police déposer zame yo prend la rue à tout ensemble parce que situation ça c'est pas pour nous seulement le pas bon c'est d'abord yo même parce que si on regarde et on pourrait ces policiers plus victimes en bas situation insécurité ça yo kidnappé yo tiré yo c'est eux même qui dans toute zone chaud qui prend pression etc. Donc les peuples a sorti pour le manifester c'est pour nous pas coûter Jovenel Moïse qui a besoin de toi et vacabon dans direction police là qui a bannon $300 pour nous manifester maspiner pour frère depuis sa période là l'offin maspiner la gaz même si on gagne casse dans tête tout bon et peuple connaît et puis qui bon pour rentrer dans même petit quartier même petit corridor ensemble avec petit peuple là l'offin qui est-ce qui pral bon rail pour monter c'est même motocycliste ça yo qu'on pas vle ouais nous lancer message ça plusieurs fois mais nous connaît que la patine
la patin yo, depi moun nan pap fè dezòdi, pap voye wòchi, pap krasé, c'est kitèl manifester pou l di sa k fèl mal. Oui, alors, c'est dans situation ça, nous t'a parlé de prison ça. Qui krasé, mais moun yo pas quoi dans question ça, d'autant que Anel t'a déjà dit l'ap sorti, mais en pile moun pensé que Anel gen trop information, gen trop causé, non songé, yo te kon a dit que président Jovenel Moïse au téléphone Garcia Delva qu'on parler avec elle les manifestations Port-au-Prince pour discréditer mon cap faire manifestation yo c'est Anel yo fait vini sous forme la manifestant ensemble avec eux c'est allié yo font bonne bagaille gon bonne bagaille qui dit nous te voulons la vérité jaillir sous question ça et ben autorité yo yo monton scénario pour yo faire Anel sauver et puis Anel peut-être go idioli parce que nous te kon di yo ça et ça fait toujours dit nous gen bouche cabrit nous dit même si observe avant les pressions trop pour yo là gen trop information c'est où y a liquider ou vinon fusil pour yo sauter donc yo laguel dans la nature pour la mourir Jean le mourir là sans doute la vérité pas Jean Blaï sous kidnapping Vivi Michel là non songe que téléphone Gracia t'a utilisé la vérité pas Jean Blaï sous toute accusation opposé contre président Jovenel Moïse en personne que yo dit qui connait pas utiliser téléphone par là non qui comprend téléphone sénateur tes amis pour parler avec chef de gang non nous pas Jean connaît parce que les liquider les disparaître mais Jean-Pierre Espérance t'a dit dans intersection hier est-ce que yo t'ai besoin faire massacre ça pour yo te faire citoyen sauvé. Yo te doit ouvrir porte prison hein, pas qu'on est fongeant, mais là c'est à peu près 25 moun qui mouri dans bagaille ça parmi yo pour diable et inspecteur divisionnaire qui responsable prison quoi des bouquets et qui mouri. Attendez, secrétaire d'état communication a annoncé plusieurs commissions enquête. Est-ce que le connaît que haïtien fait qu'un moun nan l'état ça a confiance sous ça pour le révéler soit faire enquête jamais peuple a déjà fait conclusion déjà peuple a déjà connait ça qui passé à lui-même enquête pas nous hein pas un monde qui vraiment attendre peuple a connaît nous retirer en elle pour nous faire al mourir parce que s'il est vivant s'il a le devant juge s'il témoigner gant pile gros caca chat cap sorti donc c'est comme ça nous penser que question passé. Donc oui, et ça fait nous mal dans une série de monde qui mouri presque dans chambre ou dans prison hein, c'est de bagaille scandaleux qui passé dans et avant-hier et avant-hier dans et pays. Et puis l'autre fait dans actualité c'est m'ta cap dit des compatriotes bon souvle nous ta cap même commencer par les États-Unis lui-même qui de temps en temps gon tweet un nouveau tweet parlant de tweet justement faut nous dit qu'on est à président Jovenel Moïse li tellement qu'on n'est pas président haïtien lié encore c'est président blanc ba connaît tweet li yo c'est en anglais s'il vous plaît que le faire en anglais son bagaille qui vraiment pas gain sens bon et ça pas étonné nous venant de président Jovenel Moïse parce que il pas jamais travail pour te satisfaire li soi-disant dicté voté là mais c'est toujours resté avec blanc à se regarder dans affaire Venezuela li pas tenu compte de histoire non de rien du tout li fait vote blanc mandel donc journée jodi a l'elle fait tweet en français en créole ou dit qu'elle le senti blanc manqué comprendre ni on sait pas avec li envie parler donc li fait en anglais directement à titre en ouais différence là les États-Unis lui même l'a fait tweet il fait presque en trois langues il fait dans langue néan il fait dans langue français il fait dans langue créole tout pour comprendre mais président nous a choisi ça en anglais pour le faire par là en tout cas dans dernier tweet ambassade américaine multiplié même si gan pile et m'ta dire
hypocrisie là-dedans, parce que si pouvoir ça là a maltraité monde, a mettre gang sous monde, a terroriser population, li non police avec gang qui est associé pour mener la vie difficile aux paisibles citoyens, gouvernement américain c'est le principal support li, et qui fait que Jovenel à l'aise pour le faire tout ça l'a faire. En tout cas, de temps en temps, yo met un petit bagage pour montrer que ou pas d'accord à ça qu'a fait là. Dans dernier, yo dit le gouvernement haïtien doit mettre un terme à la période actuelle de gouvernement par décret. Et ce n'est que par un gouvernement stable, démocratique et pleinement représentatif que des problèmes tels que la violence, la corruption et les violations des droits civils et humains peuvent être traités de manière significative. C'est ça que le gouvernement américain a écrit dans le tweet. Ça, c'est pas moi qui traduis, c'est eux-mêmes qui voient la langue ça à tout pendant qu'ils ont anglais à tout. Donc, alors que pas nous, c'est en anglais qu'on y a parlé. Alors, sous même question, ça, on nous dit que autour de situations que nous vivons dans le pays à ces derniers temps, et Noël international vraiment mobilisé, bon côté pas nous, l'aime dit l'international, nous pas parler des dirigeants qui fait partie de corps groupe, mais nous avons parlé de société civile, pays américaines, canadiennes, yo toutes. Par exemple, on dit Lévy, et un député, un représentant, dans la Chambre des représentants aux États-Unis, qui n'a jamais raté l'occasion pour porter support au peuple haïtien qui est dans une situation extrêmement difficile ces derniers temps. Dans le dernier tweet, il fait sortir pour dire que ce président Jovenel Moïse est un président illégitime, illégal, et que le gouvernement pays les États-Unis doit faire toute salle qu'on est pour supporter en transition et sérieuse, cap retourner nous vers le chemin et oui, vers le chemin. Merci Patrick Crispin qui dit que les auditeurs fidèles tombent pas citer. Oui Patrick, nous on va jamais rater nous. Merci Patrick, même si il y a quelques temps nous pas ensemble, mais nous connaissons qu'on ne peut jamais rater, ramasser Patrick Crispin, conseiller président Jovenel et ancien président Jovenel Moïse, Patrick. Oui, alors maintenant que la mobilisation, par exemple, il y a la presse belge qui dit Haïti est dans un état de déliquescence avancée et ses habitants en sont les victimes. La communauté internationale doit sortir des aides conventionnelles pour regarder les problèmes en face. La crise politique autour de la fin du mandat présidentiel de Jovenel Moïse a ramené Haïti à la une. Oui, Noël, sous tout côté, toute presse internationale là, il aura aussi fallu que disparaisse l'ombre des élections américaines et que la vaccination COVID semble annoncer des jours meilleurs pour que la situation haïtienne puisse retrouver un peu d'attention. Car l'an dernier, l'anniversaire des 10 ans du terrible tremblement des terres a été complètement occulté par la pandémie qui fait au pas de Kawenou. Ce n'est pourtant pas faute d'événements majeurs en Haïti, à commencer par la contestation contre le président sortant, poussé au pouvoir par son prédécesseur Michel-Joseph Martelly. Moïse a répété tous les travers du pouvoir haïtien de ces 20 dernières années. Monsieur fait tout désordre que pouvoir au confère, corruption, fraude, grand banditisme, massacre classé sans suite, drogue, destruction des institutions démocratiques, police, justice, parlement. Moïse n'a dû sa survie qu'à un soutien aveugle des positions de Trump sur la scène régionale. Au quotidien, cette situation s'est traduite essentiellement par une insécurité endémique, une inflation incontrôlée et une absence totale de politique sanitaire malgré une augmentation des cas de COVID. À côté du business florissant des kidnappings et du trafic de la drogue, les détournements de fonds publics sont devenus un sport national. Malgré les rapports accablants de la Cour des comptes, vous comprenez ça me lit
sa presse étrangère a dit son nom, hein, tant qu'on n'a parlé de presse belge, presse canadienne, n'a parlé de Haïti, dérive totalitaire ou agonie. Moi, dis, c'est parce que président Jovenel Moïse saute devant Conseil sécurité Nations Unies, côté la raconte une série de histoires, n'a demandé est-ce que c'est dans l'autre pays il t'a parlé. L'a dit que démocratie est en marche, il y a un progrès, l'a dit que l'a démantelé gang, il a marché vers gang. Faut montrer que c'est pas nous même qui a dit le menti, mais presse internationale là a bail bilan là président. Il dit pendant ou monter là, c'est corruption, c'est fraude, c'est grand banditisme, c'est massacre, destruction des institutions démocratiques. Police, justice, parlement, et Elidou, presse belge là, c'est Trump qui gagne là, toujours dans Figuemoun. Elidou, dans la situation ça, Elidou, la presse canadienne faisait écho récemment de la propriété acquise en cash par l'épouse d'un sénateur haïtien pour plus de 4 millions de dollars américains. Toutefois, il est impossible dans un tel contexte d'envisager une issue en se voilant les faces, la face et en examinant uniquement des éléments ponctuels. Comme nous l'a appris le Liban à ses dépens, l'ampleur d'une catastrophe n'élimine pas les causes profondes d'une situation dans l'impasse. C'est vers ces causes qu'il faut se tourner. Un long processus de déliquescence. Haïti, c'est d'abord et constamment l'oubli d'une population qui survit au jour le jour et qui est abandonnée par tous les cadres, quels qu'ils soient, de droite ou de gauche au pouvoir ou dans l'opposition, d'un parti ou d'un mouvement. La population sert d'alibi quand on en a besoin pour produire un changement de pouvoir et mettre en place un nouveau statu quo. Haïti, c'est ensuite un long processus de déliquescence des structures héritées de la dictature duvalieriste en 1987 et mise à mal par une transition politique indéfinie, bloquée d'abord par des vieilles craintes du communisme Bush-père, puis soumise au nouvel ordre de la globalisation économique Clinton, enfin rattrapée par ses propres démon autoritariste, Aristide Préval, de coup d'État en tutelle internationale, le pays est tombé complètement dans l'ordre humanitaire après le tremblement de terre de 2010 et enfin a été abandonné sans solution depuis 2015 après une dernière gabegie sans précédent dans la gestion de l'aide internationale. Il y a parlé de Petro-Caribe. Haïti, c'est encore une classe politique qui n'a eu de cesse d'accélérer la destruction de l'État pour s'arroger tous les privilèges, une classe qui ne s'est impliquée sérieusement dans la construction d'un État vital et viable, mais qui a choisi de s'allier avec des gangs pour contenir la population et instituer des pratiques mafieuses comme mode de gouvernement. Alors ça, c'est un article que je vous recommande, mais nous tellement gain des bagailles pour nous lire, mais il dit, en clair, il dit, président Jovenel Moïse, fourrez-nous dans la merde. L'expression, c'est ça. Et puis, à ne pas oublier tout, puisque cet ainsi nous fait l'objet d'une grande solidarité internationale, son appel à la solidarité internationale, que plusieurs écrivains haïtiens participaient, qui fait que nous, ouais, tout, gagnait le Parlement canadien, même envie dit, québécois qui est sorti une résolution là de support au peuple haïtien par autorité haïtienne non au peuple haïtien qui a fait face en bas pression en bas répression la police à gang Jovenel Moïse sous population hein. Donc n'a dit ça c'est et solidarité et parlement et parlement canadien fait avec Haïti. Alors nous t'a parlé de et solidarité gagné des intellectuels haïtiens et étrangers mais des intellectuels francophones qui sorti vraiment yon gros lettre pour demander OIF pour le suspendre supporter OIF et Organisation internationale de la francophonie pour le suspendre supporter dictature en Haïti. Donc son très belle lettre que
intellectuel sa yo et voyé by OIF que Nabral vini très certainement et sous l'imérie des intellectuels francophones appellent l'OIF à soutenir le processus démocratique et la mise en place d'un gouvernement de transition en Haïti. Ils sont une cinquantaine d'intellectuels venus de plusieurs pays à attirer l'attention de l'Organisation internationale de la francophonie sur la mise en place d'une dictature en Haïti par Jovenel Moïse, qui a décidé de se maintenir au pouvoir par la force en dépit de l'expiration de son mandat le 7 février dernier. Dans une correspondance datée du 24 février 2021 à Louise Mouchi-Kiwakbo, secrétaire général de l'OIF, les intellectuels demandent à l'organisation de ne fournir aucun appui à un pouvoir décrié et rejeté par le pouvoir judiciaire haïtien, les églises catholiques et protestantes, la Confédération des barreaux haïtiens, les organismes de défense des droits humains, l'Association nationale des magistrats haïtiens, l'opposition politique organisée, nombre d'associations de la société civile, des personnalités haïtiennes appartenant à différents domaines d'activité. C'est yo qui dit rejeter pouvoir sa mandat finiant. Nous comprendrions mal que l'institution que vous dirigez, dont l'exercice n'est fondé que sur l'exigence de solidarité réelle avec les communautés et pays de langue française, s'engage avec un pouvoir illégitime qui multiplie les exactions, les décrets et autres mesures liberticides, écrivent les intellectuels. Ils attirent l'attention de Mme Mouchi-Kiwakbo sur le fait que le pouvoir utilise des gangs qu'il a armés pour conduire une répression meurtrière dans les quartiers populaires, arguant que lors des manifestations pacifiques, la police haïtienne tire à balles réelles sur les manifestants. Il signale également qu'Haïti fonctionne sans parlement, sans élus locaux, toutes les échéances électorales n'ayant pas été respectées par le gouvernement Moïse. Seriez-vous assez dupe pour croire que, après la fin de son mandat expiré le 7 février 2021, il voudrait et saurait organiser des élections crédibles, s'interroge-t-il. Ils expriment leur solidarité envers le peuple haïtien et exhortent l'OIF à soutenir sa demande d'un vrai processus démocratique impliquant la mise en place d'un gouvernement de transition et l'initiation d'un procès pour crimes de sang et crimes financiers contre les dignitaires du gouvernement de Jovenel Moïse, encourageant la secrétaire générale à tenir compte de sa crédibilité personnelle comme celle de l'OIF. Les intellectuels francophones exhortent Louise Mouchi-Kiwakbo à ne donner pas raison à celles et ceux qui voudraient voir en l'OIF un fonctionnariat indifférent aux problèmes réels des peuples constituant les cinq continents de la francophonie. Au nombre des signataires de cette correspondance figurent entre autres Patrick Chamoiseau, René Despestes, Francis Combes, poète, éditeur, Yannick Lahens, romancière, prix Femina, Laurent Godet, poète, romancier, prix Goncourt, Gilles Perrault, plusieurs autres dont et écrivain Lionel Trouillot. Yo, en pile, en cinquantaine qui sortit dans plusieurs pays francophones qui écrit l'EPSILA à l'attention, on l'aide tout l'ouvrir, à l'attention by dirigeant et secrétaire général OIF là pour le deal, suspend, supporter, pouvoir corrompu, mandat fini, Jovenel Moïse en Haïti. Et puis on l'autre note, puisque nous t'a plein, mon a plein, yo dit côté artistio, eh bien en pile là, engagé yo, non note, côté collectif artiste engagé, Katan ou était chapeau bien bas devant gros engagement peuple haïtien en prend dans bataille contre régime de facto Jovenel Moïse là.
li profite bat bravo pou tout secteur important nan vi nasyonal la, diaspora ki eksprime yo a kle sou artik 134.2 pou di Jovenel marionnette communauté internationale la mandal fini jou ki te 7 février 2021. Katan kwe se yon gwo etap pepla franchi nan batay pou bienèt la, le sektè enpòtan nan klas politik la marande ak sektè enpòtan nan sosyete sivil la pou uni fòs yo nan yon sèl konba de kwa pou debarase peyi a ak foli diktatè Jovenel Moïse. Route délivrance lan pa long, se nan men kontrin nan prive jwenn bout sistèm miro mi ba si la. Yon lòt kote Katan ap denonse ansyen prezidan enkelpe diktatè Jovenel Moïse PHTK, ki kontinue deye do la loi Kembe pale an otage ak support kor group, kominote internasyonal rasis la, malgre mandal bout depi 7 fevriye 2021 ki pase. Zak sa prouve a kle volonté rejim PHTK sa ap obscurantiste internasyonal yo genyen pou sabote institution l'état yo epi viole constitution pays a yon façon pour continuer piller pays a libé. L'autre côté katan rete kwè quel que soit position yon artiste a gagné, l'important pour artiste yo quel que soit clan yo doit comprendre jodi a peuple haïtien pays ça qui contribuer dans soutenir zèv nou a traversé un moment difficile en bas main pouvoir fasciste ravissait PHTK. Yon artiste avant tout rete un citoyen qui donc devant gagote persécution politique, kidnapping, massacre, zak maspina et sans foi ni loi kap passé dans pays a la, nou pa ka rete bébé même les nan yon niveau ou soit nan yon lot, nou ta ap supporter ou soit bénéficier nan pouvoir. Li pa janm trop tan pou nou désolidariser nou publiquement ak a tout fait dictateur Jovenel Moïse se dernier geste peuple haïtien sans défense lan ap tan nan men nou antis. Bout to fin katan encourager tout mam li yo, tout population pou te kole activement nan gwo manche koupe fache ak diktati ak kidnapping kap fè de jou dimanche 28 janvier 2021. Moment rive pou tout citoyen pran responsabilité yo pou sauve peyi nou an ba complot étranger ka haïtien ti lolit san foi ni loi. Nou se kolektif artiste engagé, nou se katan moun ki siyen, yo an pil, eske nan pretan baye tout, gen Vanessa Bernard, komedyen, Magali Komodeni, opérateur culturel, komedyen, Jacques Sanders Semeus, section citoyen et citoyenneté, Palto Vanyan, Jacques Adler Jean-Pierre, komedyen, Billy et Lucien, opérateur culturel, James Pierre Aka Kaka Rat, artiste plasticien, Teddy Najan-Paul, chanteuse, Pierre Rosemont, aka 27 Woklo, chanteur engagé, Caleb François, musicien, compositeur, Pascal Bongren, comédien, Marius Yvon, aka Bungi et Baka, Graffé, Daphné D'Alembert, Estilis, Edwidge Adeska, Estilis, Valdano Louis, section artistique plateau, Vanyan comédien, Jean Lukenson Narcisse, Esclamé non révolté, Kéber Bastien, Keb chanté engagé, Rolando Etienne, et metteur en scène, comédien, Gilbert Telusma, Société Badji nan diaspora, Romanson Auguste, chanteur compositeur, Jean Gardi Clerville, Rebel Pacamo, rappeur, Stanis Kento Pierre, Boss et Pongongon artiste disait, Gagnon Gretchen Bastia, chanteur engagé, Douglas Zamor, 12 poètes et compositeurs, Antonio Cherami Doncato, chanteur compositeur, Samantha Normil, chanteur, Diep
Eliassin Aka Lele, responsable section culture physique Palto, Chelson Hermosa, comédien, Chelo Pleb Musique François, comédien, Eroche Jean Gardi, Kanga, chanteur, Régis Innocent, Casanova, comédien, Stevenson Michel, keyboardiste, James Fleurissin, Rikiki, comédien, Télémac, Wooden, James Défi, et poète révolté, Maud Asrika, Silla, actrice, Koutchev, la voix au pont, poète, Kenson, Annie, Usatis, Jean-Marc, Anderson, Kébé, Eslamé, Michel-Ange Noël, la dynamique chanteuse, Kenny Laguerre, comédien, Jean-Gérald Augustave, comédien, chanteur diaspora, Ralph Civil, comédien, Joubert Joseph, poète, journaliste, qui si yon notre si là, dans notre sa, yon mandé chanteur, yo, même si vous avez supporté pouvoir, même si vous avez bénéficié dans pouvoir, mais gon ti coup d'œil pour peuple haïtien hein, pour ta faire une déclaration publique pour dire désolidariser avec situation avec président Jovenel Moïse dans salap menen nou journée jodi a vraiment c'est en pile note gagné AKO oui lika chita gagné AKO et note parti AKO qui dit lever voile bien haut pour le dénoncer avec toute force li position protecteur citoyen. Oui, Renan Edouville, tête chargée. Mon cher Renan Edouville prend les limites sous côté mission institution. Hein. Jean s'établit dans l'article 3, la loi 17 juillet 2012 là. Et puis entré dans Confiolo avec madame la Limbini, ensemble avec pouvoir de facto PHTK pour faire complot contre bataille pour démocratie peuple haïtien mené protecteur citoyen hein, cité travail la loi payer le pour le faire dans article 6 à 13 loi 17 juillet 2012 là et puis il mettait à côté article 284.3 constitution 87 là pour l'entrée dans organiser débat sous nouveau constitution ancien président fait écrit pour tête li dans violation totale constitution 87 là il était prêté serment sous li. Pendant Binu, dans violation répétée mandat li joine nan men Conseil sécurité ONU d'après résolution 2476 et pendant la travail pour le mener pays en plus instabilité ak yon élection malachon pendant le sorti pour le détourner sous chemin démocratie nan dépatcha illégalement constitution 87 là jodi a c'est office protection citoyen Binu vle fait tourner bois dans nan bal mission la loi pays a pa bali n'a mandé protecteur citoyen ramasser caractère garder blanc en danger faire le connait craser constitution haïtienne nan pas non attribution au PC protecteur citoyen doit mettre à la hauteur belle mission ça constitution 87 la bali protecteur citoyen ou pas ta doit gain temps pour dormir pour Jean Jovenel PHTK leur pouvoir a violé droit moun fait arrestation illégale à arbitraire commandé assassinat massacre bay gaz tirer sur moun k'ap revendiquer ou gen travail pour faire dans défense citoyen ak citoyenne sans perdi dans ride dictateur violer constitution 87 là renan yo li fixé pour ça la loi dit pour faire et d'ailleurs gen tellement moun k'ap violer bagay sa yo ou gen travail vrai pour ta fait tant c'est non affaire organiser bagay forum sous constitution. Magali Komodenik, si un porte-parole, et puis Mario Laroche, secrétaire général pour AKO. Mais ce n'est pas seul Mounsayo qui est estomaqué. Il y a POHDH, tout. POHDH, soutenu assise au PC autour de l'avant-projet Constitution de Jovenel Moïse. La plateforme des organisations haïtiennes des droits humains prend note de la décision de l'Office de protection du citoyen d'organiser une assise dite multisectorielle qu'elle fait en date 23-24 février 2021 sur l'avant-projet de constitution rendu public par le comité dit consultatif indépendant
pour l'élaboration d'une nouvelle constitution. La POHDA souligne qu'elle n'est pas représentée à cette assise par laquelle l'OPC participe dans la violation de la constitution haïtienne en vigueur et cela constitue en conséquence un accroc à la démocratie. La POHDA souligne à l'attention de l'OPC que l'arrêté nommant le comité dit consultatif indépendant est inconstitutionnel. Avec la mise sur pied de ce comité, le président de facto, Jovenel Moïse, adopte une posture résolument autoritaire et commet un crime de haute trahison pour violation de l'article 136 de la Constitution qui lui assigne la responsabilité de veiller au respect et à l'exécution de la Constitution et à la stabilité des institutions. Par ailleurs, le protecteur du citoyen n'est pas sans savoir que la Constitution haïtienne de 1987, dans son article 284.3, interdit toute consultation populaire en vue de la modifier. Alors que le président de facto entend utiliser son CEP illégal et illégitime pour organiser un référendum en avril 2021, comme quoi vous renvoyez, la POHDH rappelle à l'OPC que cet agissement constitue une grave violation de l'article 150 de la Constitution qui stipule que le président de la République n'a d'autre pouvoir que ceux que lui attribue la Constitution. Enfin, la POHDH réaffirme son attachement aux institutions indépendantes prévues par la Constitution haïtienne de 87 et en profite pour rappeler aux protecteurs du citoyen, en l'occurrence M. Renan Edouville, que l'OPC est une institution indépendante chargée d'assurer la protection de tout individu victime des abus de l'administration publique et de veiller sur le respect des droits humains par l'État, à l'ami Pierre Villus, secrétaire exécutif, qui a rappelé au PC, mais Wall que le gain, parce que Wall semblait le perdu Wall si là, alors lui rappelait lui. Et puis, président Jovenel Moïse, ancien président Jovenel Moïse, pas oublié, et il était attaqué la presse dans l'intervention, ça a été fait devant l'ONU, quand elle te dit qu'il y a des bandits qui habillent un journaliste et pour eux attaquer la police dans la manifestation. Et il y a des gens qui disent qu'on s'attaque des bandits qui habillent un président pour eux maltraiter la population. Tout, en tout cas, ANMA dit scandalisé par déclaration président et ancien président Jovenel Moïse, ni l'autre yotou, ami, yotio scandalisé, et Jacques Sampeur, qui m'étendait et qui fait notre sautie, dit, bagay ça, son bagay qui grave, qui pague non, parole ça yo, que président Jovenel Moïse a dit, sous la presse, nous pas bien temps pour nous venir, sous toute notre ça yo, malheureusement, gagné. En tant pour liberté, démocratie et dignité, qui lançons opération là, opération retirer zone en gorge peuple haïtien, l'Église catholique, secteur vaudou, ANMH, université, syndicat, tout 18 bas au pays, CSPJ qui c'est pouvoir judiciaire, intellectuel, nous sommes intellectuels, yon dividal parti politique, CAC qui c'est coalition acteur société civile, secteur protestant, rejoignent peuple là, dans vérité, réalité, mandat Jovenel Moïse qui finit 7 février 2021. Malgré ça, président Poutisla, au lieu de quitter Palais, l'a marché by menti sous deux peuples, comme peuple, et puis gros saisissement, représentant l'ONU, Madame Lalim, papa déclaré, c'est 3000 mouns seulement qui étaient dans la rue contre dictature. 14 février 2021. En tout cas, demain dimanche, là, on va voir si le compte est vrai. Je me sens que le peuple a sorti en masse demain. Pourtant, tu as gagné plusieurs dizaines de milliers de monde qui t'aiment en marche. Dans la condition malouque, Jovenel Moïse fourré pays d'Haïti, parti politique et organisation sociale qui signe notre ça, encourager tout le monde pour nous porter couler en masse. Dans marche dimanche 28 février, secteur protestant a annoncé. Dans tout pays, nous prenons apprendre Jovenel Moïse avec Madame Lalim Conté. Nous,
c'est pas en danger, nous en danger seulement. Malais tombé sous nous, zo poisson qu'on croque dans gorge nous. Non seulement Jovenel Moïse ba nous menti, mais tout gel dans genou l'a passé nous dans bêtise. Li connaît bien propre gagnon parti dans peuple là qui t'a acheté poisson vrai pour le manger avec banane li t'a promettre yo. L'argent peuple là rit dans poche ancien président lui-même encore déclaré avec fierté zoa croqué dans gorge nous. Qui fait là mettez sous marche 14 février, sous deux jours grève syndicale, sous toute dénonciation, action politique quelconque, marche dimanche 28 février, secteur protestant, c'est opération retirer zone en gauche peuple haïtien. Moun ki siyen, c'est sénateur Patrice Dumont, rêve peuple, l'issien pour RPH, rêve peuple, c'est Jean-Ernest Brutus. Pour Mopod, c'est agronome Jean-André Victor. Et puis pour COA, Charles Hervé Jérôme. C'est comme ça, moi, collectif 4 décembre tout. L'idée dans la foulée des nobles idéaux qui avaient inspiré les pères fondateurs de la nation haïtienne en adhérant au célèbre slogan révolutionnaire « Vive libre ou mourir ». Le collectif du 4 décembre et le CAD, Consortium National Haïtien des Droits Humains, supportent toutes les initiatives visant le maintien et le respect de la démocratie en Haïti et ailleurs. À cette fin, le collectif du 4 décembre et le CKD, Consortium National Haïtien des Droits Humains, en appui à la Commission protestante contre la dictature en Haïti, invite tous leurs membres, alliés, adhérents et toutes les organisations de la société civile, citoyenne, à participer activement et massivement à la marche pacifique du dimanche 28 février pour le respect de la démocratie et des prescrits constitutionnels. Le collectif du 4 décembre et le C4D, Consortium National Haïtien des Droits Humains, s'engagent résolument aux côtés de la population haïtienne pour crier haut et fort « Levez campé contre dictature et kidnapping, vive la démocratie, vive Haïti, mes amis, sans pile note que nous pas gain temps. Ouais, gain et association, nous t'a dit tout à l'heure, mais gain association, l'autre association journaliste tout qui dit président accusé, il a accusé pour le mettre journaliste yo en danger et puis gain opération. Tête ensemble qui dit depuis 7 février, mandat Jovenel fini, li dérefuse marché posli, kembe pouvoir nan gros poète, kon sa li confirmé, li se yon dictateur malveillant, fourré pays d'Haïti, nan yon situation gravement grave, Jovenel Moïse mette rechange, rose makout li nan place gros bléa, et puis continue à marcher sous 100 peuple haïtien. En plus, dictateur Jovenel Moïse, chire constitution pays a, li passe en bas pied, tout convention, accord, acte traité, l'État haïtien signé et puis ratifié, qui gagne rapport avec respect, droit moun, dictateur enterré, droit politique, droit moun, pour moun vivre, droit pour moun joindre sécurité, pas gain contrôle sous pouvoir là, corruption, acte pillage, qu'est-ce l'État fait quinquin. Li même décidé démantibiler la police pour le faire tourner en corps milice. Dictateur attaqué, leader politique, journaliste, militant politique, étudiant, élève, l'école, avocat, pas oublier Nenel, persécution Nenel a subi, Nenel Kassi, avocat, docteur, entrepreneur, et qui pas dans PHTK, l'église, syndicaliste, avec moun dans quartier populaire, dictateur a révoqué, puis nommé juge dans cour cassation, malgré tout vieux actes, sa yo, communauté internationale là, lagué, et lagué, l'en fait, si, dénonciation, cassé fait, couvri ça. Dictateur a bail, insécurité, gang à kidnapping, j'arrête. Dictateur a mette en bas gros menace toute institution, toute journaliste, toute personnalité politique qui pas dans ses collés avec elle. Criminel a kidnappé a pas oisé. Quelque là d'ailleurs quitté prison, arrivé sauvé dans le cadre d'une évasion suspecte. Gros journée. Pendant temps ça, dictateur a mette en branle. Machine persécution. Les derniers jours, ça y est, sous opposition politique, là, particulièrement sénateur Nenel Kassi. Après arrestation illégale, sénateur a pris un petit bout de temps dans NIP. C'est commissaire gouvernement, tribunal, première instance dans Port-au-Prince qui a engagé le même chemin
persécution politique contre sénateur, opération tête ensemble dénoncer zak persécution politique si la yo, nan kad yon délégation pouvoir commissaire gouvernement mandé DCPJ pour chercher tout le monde qui t'a impliqué dans zak criminel, côté gen moun qui perdit la ville, chercher yo et puis arrêter yo menen bali. DCPJ nan kad dossier ça a convoqué sénateur Nenel Kasi, commissaire gouvernement engagé poursuite yo sous base flagrant délit, opération tête ensemble qui connaît pas gen personne qui pi grand passer la justice ouais dans convocation si là yon gros acte persécution politique pour raison sa yo ak en pilote 1 d'après la loi dans cadre flagrant délit c'est commissaire gouvernement qui pou te renni côté zak la te passé a ak juge de paix fait constat ak tout ça la justice recommandé dresser procès verbal faire arrestation si ça nécessaire transférer dossier ba juge d'instruction ça pas fait 2. D'après la loi, si gen accusé ou bien témoin yo qui pas présent, commissaire a dû rendre une ordonnance qui permet autorité qui placé pour ça mener yo nan parquet, ça pas fait. 3. D'après la loi, commissaire gouvernement pas gen droit mandé DCPJ pour le faire ça qui t'a qualifié comme enquête préliminaire dans cadre poursuite sous base flagrant délit, c'est ça fait. Peuple haïtien, c'est nous qui menacés, nous pas qu'à accepter dictature, machine persécution pouvoir kidnapping nan ak train la mort a marché sous nous yon derrière l'autre. C'est ça que fait opération tête ensemble, mandé tout membre li a tout monde qui t'a supporté dictature Jovenel Moïse PHTK pour participer dans marche contre dictature cap fête dimanche 28 février tout partout dans pays a opération tête ensemble engagé pour continuer coller épaules à toute l'autre force sociale politique religieuse organisation populaire et la trier pour combattre dictature Jovenel Moïse là dans participer dans mobilisation jam jusqu'à la victoire finale pour commission provisoire opération tête ensemble c'est député Abel Descollines député Hugues Célestin député Joseph Manes Louis qui signe notre SILA et puis même si nous pas de temps n'a pas songer que commission protestante contre la dictature en Haïti écrit une très belle note en note en lettre ouverte aux démocrates et chrétiens du monde entier autour de désordre qui gagne en Haïti avec un président mandal fini qui refusait aller cap théoriser population note là yo écrit en français et en anglais, by le monde entier, c'est vraiment très très belle note. Côté moi, féliciter commission protestante contre la dictature qui ramasse, t'as dit tout document, tout dossier, tout toute corruption que pouvoir ça fourrer non la donne. Et merci Fritz Desrosiers. Merci. Alors, oui. Et Napral Lovensky. Prend pause là, nous remercions invité qui commence à arriver puisque nous vraiment et pas gain trop de temps encore, mais n'a pas fait songer. N'a pas fait songer demain dimanche là et c'est une grande mobilisation l'opposition dit l'aptan c'est millions monde que le souhaitait mettre dans la rue dans occasion et si là c'est un million monde que souhaitait mettre dans la rue puisque gagnent l'ordre des barreaux de Port-au-Prince tout et qui mandait bon on t'a dit fédération qui mandait et tout le monde pour là mais l'ordre des barreaux de Port-au-Prince porter à connaissance des avocats et avocates du barreau qu'il déposera le dimanche 28 février prochain jour d'Orval une gerbe de fleurs sur les lieux de l'assassinat du bâtonnier Montferrier d'Orval à Pèlerin 5. La délégation vêtue de t-shirt blanc ou maillot du barreau partira de la place Saint-Pierre de Pétionville à 8h AM. L'accès étant difficile, il est recommandé de se regrouper.
Les avocats désireux de se joindre au conseil sont priés de contacter le secrétariat du barreau. La marche du 28 février sera organisée par la Commission protestante d'Haïti et les organisations et personnalités de NAP Marché pour la vie contre le kidnapping, l'insécurité pour réclamer justice pour les innocents lâchement assassinés, dont Maître Montferrier Dorval, conformément à l'invitation de la Fédération des barreaux d'Haïti, le Conseil invite tous les avocats et avocates qui le désirent à participer à cette manche vêtue non pas de toge, mais de préférence et d'un t-shirt blanc ou du maillot du barreau. Et c'est Madame Marie-Suzy Legault Bâtonnier qui signe et note Silla qui invite tout avocat pour yo présent dans marche et Silla. Lovensky, j'ai dit Lovensky. Demain dimanche là, pas seulement et Port-au-Prince, mais c'est dans tout pays et cap haïtien aussi, Lovensky, et tout pays à verrette pour nous te parler de ça hier. On légère pause avant nous prendre panel ramassé pour matin. Alors, jeudi, en particularité, c'est que panel la plat même bi avant, pour 10 minutes avant que nous démarrions avec panel normal ramassé. On a pral gagné autour de manche là des organisateurs qui pral pendant une dizaine de minutes motiver population. Bon, pas ces populations à motiver, mais n'après Dilio, 11 ans, même pas longtemps qu'il a. Tout à l'Antonin, tout le monde s'est appelé. Et puis, on t'y annonce pour Adrien Kelly, son agent 2, police nationale, qui perdu Badgley. Et qui perdu Badgley, Adrien Kelly, qui promotionnait 20e promotion, Badgley, Lina Radio Caraïbes, vous mettez passé, récupérer. Nous connaissons en pile démarche pour refaire, en pile question tout. Donc, passer dans la radio, récupérer Adrien Kelly, agent 2 de la police nationale d'Haïti. N'a pas observé, pose là, après le tourner tout de suite avec un premier panel pour une dizaine de minutes autour de la manche et puis panel ramassé jeudi. Et merci de fidélité, n'a pas posé dans la tourner. Hey, hey, hey.